Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous prendre en fait quelques temps avec nous. J'ai des petites réparations sur le camping-car à faire. On a prévu de retrouver donc des amis aussi en même temps qu'on avait déjà vu et de partir faire quelque chose de nouveau. Vous verrez ça au fil de la vidéo. Ben en attendant, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je me suis fait couper les cheveux. Mais il y a toujours la petite méchouille. Voilà. Allez, bon générique à vous et puis ça commence tout de suite. Je vous reprends, donc j'ai commencé d'abord aujourd'hui par faire 2-3 bricoles qui en avaient bien besoin sur le camping-car. Je vais essayer de me mettre pas en contre-jour, qu'on puisse me voir. Vous avez vu dans les petites images qui ont précédé, j'ai attaqué à refaire tous les joints. Je vais vous montrer. Donc tous les joints, j'ai refait tout là, là, ici, le contour de la capucine jusqu'à devant, et un endroit aussi qui était vachement important à faire, c'était là-haut, toute la réglette, voilà, parce que l'eau s'infiltrait. Donc voilà, on est retourné chez nos amis Laetitia et Chris, non loin de entre Alès et quelque part dans le coin, voilà. je dirais pas où. Cet après-midi, on s'en va faire une balade. Là, on a fait un peu du rangement. Ma chérie se fait un petit ravalement de façade. Elle a coupé les cheveux aussi, comme moi, voilà, merci à Letty. Et puis elle m'a laissé ma méchouille, donc ça va. Et puis voilà, donc vous en verrez plus après le repas et après dans l'après-midi, je pense, voilà. Mélina, elle, est occupée à faire du rangement un peu, il était temps, et puis voilà. Allez, à plus tard. Salut à tous, je vous reprends. On était en balade et on est tombé sur un vieux manoir, c'est ça, non? Un vieux manoir. On va regarder si on va pouvoir l'explorer un petit peu. Sauf que là, on a la petite, donc c'était pas trop prévu. Donc on va voir comment on peut faire ça. Je vais vous faire un petit tour d'horizon et au pire des cas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà.
Alors on est passé par l'extérieur pour pouvoir rentrer. En fait, ça nous a évité de rentrer par la fenêtre là. Au premier étage, il y avait une porte qui était ouverte déjà. Donc, je vous ai montré en image un petit peu. Je vais vous mettre aussi, si je peux, un petit plan en drone de la superficie que représente cette bâtisse. Et on voit qu'en fait, bah, ça a été abîmé. On voit que ça a été abîmé et délabré par des gens, des squatteurs, des choses comme ça, ce qui est bien dommage. Oui, t'as raison. Oui. Voilà, donc on a fait le tour. On va repartir direction vers le haut ici. Et on va aller reprendre l'extérieur et puis notre petite balade qu'on était en train de se faire. J'espère que ces petits plans en urbex vous auront plu. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous en voulez plus, ça sera avec plaisir. Voilà. Allez, on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo. Mes chers amis, je vous reprends après ces quelques minutes passées, après ces vidéos, ces plans, pour vous faire un petit rappel. En fait, on était parti juste en balade et en fait, c'était vraiment pas prévu. Bon, on a pu explorer ce qui semble être un ancien manoir. Et puis, qui appartiendrait aussi... Alors, apparemment, il appartiendrait encore au château qui est juste à côté. Je ne sais pas si on le verra, on l'a vu un peu sur le plan de drone. Mais il y a un château qui est juste à côté et apparemment, le manoir leur appartiendrait. Il avait été tenté de le restaurer, mais suite à du vandalisme régulier, les gens ils y mettaient le feu, ils taguaient, ils ont arrêté complètement de... la restauration de ce vieux manoir. Voilà, il y avait une belle piscine. Ah bon, ça avait l'air d'être une jolie demeure. Ce qui est dommage, bien entendu, bah, c'est les gens qui vandalisent ces lieux comme ça. Voilà, je peux comprendre tous ceux qui ont des problèmes de logement et éventuellement aller dormir dans un endroit au sec. Mais est-ce que c'est une raison pour y mettre le feu ou dégrader? Voilà, je ne sais pas. Enfin bref, voilà. Cette vidéo s'achève donc ici. On se trouve donc entre Nîmes et Montpellier, quelque part par là, dans le 30. On va y rester encore quelques jours. Je ne sais pas si on fera une autre vidéo dans le coin ou pas. Mais on vous donne des nouvelles très rapidement. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas abonné encore, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous permet de nous soutenir. Vous avez la petite cloche de notification que vous pouvez cliquer aussi en même temps pour être prévenu de la sortie des notifications.
et de toutes nos vidéos. N'hésitez pas à nous faire des commentaires sur qu'est-ce que vous avez pensé de ce manoir, et puis n'oublie pas le petit pouce. Voilà, je vous dis à très vite, à très bientôt sur Road Trip Family. Ciao ciao.